Oui! Comment est-ce qu'ils vont? Comment ça va, les gars? Vous allez bien? On a affronté des équipes de porc, mec. Laisse tomber. Les gens, ils ont pas perdu de temps. Hein. Moi, je suis là en train de faire des économies sur ma première équipe. Tu vois, c'est le premier foot champion. Je me dis, vas-y, j'y vais avec ma carte argent. Bon, c'est signé à double 5. J'ai affronté des Eusebio, j'ai affronté CR7, Mbappé, j'ai affronté Haaland. Ok, calmons-nous! Le jeu vient de commencer. YouTube! Bien! J'espère que ça va bien aussi de votre côté. Moi, j'ai fait 1 million. Dites-vous, les gars, pour ceux qui étaient là samedi. Ils savent très bien qu'on aurait pu être à 1,5 million. Non, pas 1,5 million, 1,3 million. J'étais un guignol. J'ai ouvert le pack héros et moi, j'ai eu... Voilà, j'ai eu... Je l'ai laissé, t'as vu, juste pour me faire du mal, mais... Normalement, il coûte plus de 200 000 crédits. J'aurais pu faire le mec, t'as vu. Ouais, mais de toute façon, c'est de la triche. J'ai profité d'un bug, du coup, je l'ai mis sur le marché à prix minimum. Et puis voilà, comme ça, au moins, quelqu'un s'est fait plaisir. Alors que, bon, c'est pas le cas, t'as vu, mais... Et oui, j'ai un peu le seum. Après, on s'est bien rattrapé avec Forlan et Mascherano. Parce que Forlan, je l'ai vendu à 360. On l'avait acheté à combien, les gars? 190? Un truc comme ça. Et Mascherano, je l'avais acheté à 60... Un peu moins de 80 000 crédits, je crois. Donc, on s'est fait... on a doublé nos crédits, hein, de toute façon. J'avais aussi acheté un Mascherano à 90 000. On a paqué Zambo Anguissa dans nos récompenses Foot Champion. Donc, ça fait 60 000 gratos. Et Park, on s'est fait 10K, je crois. Park aussi, j'ai vendu trop tôt. Je l'avais acheté à 145, je crois. Mais ouais, du coup, j'ai tout revendu. Je me suis dit, en fait, que j'aime beau d'avoir 1 million de crédit. Donc, du coup, j'ai fait le rail et j'ai tout vendu. J'ai vendu tout le reste, hein, même le Pedri qu'on avait acheté au tout début de l'année. J'ai vendu absolument tout et j'ai essayé aussi de trier mon club. Parce qu'en fait, il y a plein de cartes or rares qui coûtent que dalle. Du coup, je les ai vendues. J'en ai un à 13 000 et l'autre, je l'ai acheté à 12 000, je crois, dans mon équipe. On va jouer avec Mouziala aussi. L'équipe, les gars, ça donne ça. Mais l'équipe, c'est un puzzle. On va voir si certains ils vont trouver. Et moi, le bug, il m'a matrixé. Hein. Imagine, demain, il y a un bug sur les icônes. Imagine, le stagiaire, il ressort un bug. Il y a un pack à 25 000 crédits avec une icône. Là, on va pas me dire, hey, Sam, pourquoi t'as fait le rat? Là, t'inquiète, là, on m'a dit, Sam, t'as bien fait de faire le rat. Mec, heureusement que j'avais 500 000 crédits disponibles quand il y avait le bug du pack héros. Imagine, du coup, Benacer qui rejoint le club. On a mis que des invendables, donc c'est parfait. Il y a une super carte, en tout cas. J'espère qu'il va prendre le petit plus 2 parce qu'il passerait à 86 de général. Il a juste besoin de un up. Et en plus, c'est cool pour les équipes un peu exotiques, t'as vu. Il a le lien avec Mahrez, algérien. Il a le lien avec Zlatan, du côté de l'AC Milan. Donc, tu peux faire des équipes très, très sympas. Et ça passe. Bienvenue à toi, le pack méga. Viens par ici. Il est invendable. Bah, vrai, j'espère un Kimmich, un Mahrez, que j'ai dans mon club, dans mon équipe. C'est unanime, je crois. C'est parti à gauche. Brozovic. C'est pas mal. Avec un petit Firmino, on dit pas non. 5 joueurs hors rares, dont 3 notés 82 ou plus garantis. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ici? Pardon. Et KDB, il est où? Est-ce que 25 000 crédits, ça passe? 80 plus. C'est propre. Attends, mais pourquoi c'est pas allé à gauche? Y a pas eu l'animation? Les gars, je comprends rien à cette animation. On m'a dit à chaque fois quand il y a une anime, tu vas à gauche. Mais on n'est pas allé à gauche. Attends, y'a un truc là. Pedri. Pedri. Ok, y'a un truc, les gars, j'ai cramé. C'est pas nul. Allez, viens par ici, Flecken. Ramène-nous à Van Dijk, Pays-Bas, De Jong. Ter Stegen. Je me suis dit, en fait. C'est trop bizarre parce que l'anime, du coup, tu la vois pas assez. On dirait juste que ça va être un 82 ou un 83. Marcus, tu sers pas à grand chose, mais bon. 90 yens au plus, c'est invendable. On espère pas de doublon. En sachant que j'ai quand même je crois que j'ai que Giroud en vrai, mais bon. On sait jamais. On sait jamais. Ah, Marie Traoré, c'est pas mal. Franchement, on aurait pu avoir pire. Un petit 85 de gêne, c'est propre. On est à 28 sur 33 de collectif. On a trappe au cage. J'ai mis de toute façon mes 3 cartes fut champion. Hein, donc j'ai fait un peu le rat. On a acheté que Mahrez, Kimmich et Müller. Kimmich à 30 000 crédits. Mahrez à 18 000 crédits. Et Müller à 52 000 crédits. On a débloqué la version RTTK de Benacer. On va jouer en MDC avec Kimmich. On a aussi débloqué la version RTTK de Gosens. Du coup, forcément, on va replacer Klaus en latéral droit. On va jouer en K2-3-1. Équilibré, construction lente, passe directe. Et du coup, Wissam en buteur. Müller, juste derrière. Mahrez et Rashford sur les côtés. Benacer et Kimmich
en MDC. Gotsens, Kimpembe, Varane, Klose et Trapp en défense. Au niveau des instrus, j'ai mis Wissam, resté devant et position axiale. Müller, resté devant et dans la surface. Mahrez et Rashford, resté au large. Kimmich, coupé ligne de passe, resté derrière en attaque et couvrir centre. Bennacer, resté derrière en attaque, couvrir centre et meneur de jeu relayeur. Et pour les latéraux, j'ai mis aucune instru. Aïe aïe aïe, Wissam, c'est ça Wissam. Là c'est bien joué, il a bien trouvé l'espace là. Quelle passe Bennacer. Thomas, Thomas Müller. C'est une passe en profondeur pour Wissam Ben Yedder, hein, mais franchement Marcus, c'est trop grave. Oh, elle partait bien, hein, Bennacer. Bien vu, Sam Müller. C'est ça, Mahrez. Valverde en POTM. Oh, Danjuma. Danjuma, je recommande. Hein. Il a une super carte. C'est comme ça à chaque fois, les gars. Ça changera pas. Quelle passe de... Franchement, Bennacer, il est pour toi, celui-là. Il est pour toi, celui-là. Quelle passe, Bennacer. Bien vu ça Marcus. Rudiger avec Van Dijk. Aïe aïe aïe. Oh la passe de Mahrez, elle est incroyable. Ah Wissam, la qualité de Wissam. La division 4, ça y est, on y est. Nous y sommes. Nous sommes du coup en division 4. Voilà, faudrait qu'on chope le premier drapeau. Moi je suis fier de mes buts, des buts que je mets, des buts que j'arrive à mettre. Si je mets ça sur Twitter, je me fais lyncher fort. Parce que les gens, eux, qu'est-ce qu'ils vont penser? Oh c'est cheaté, je sais pas quoi. Comment ça c'est cheaté gros? En fait la question eux qui se posent même pas, c'est pourquoi moi je me prends pas ces mêmes gestes techniques? Ah parce qu'il faut savoir défendre sur les gestes techniques, c'est tout. Tu sais pas défendre, c'est pas défendre. En fait, dans ce cas-là, tu dis que tout est cheaté. Genre, imagine, il y a une passe en profondeur qui va passer. Bah, c'est cheaté. Bien joué, c'est Marcus. Thomas Müller, mais quel boss! Ah, bien joué! Ah, Wissam, c'est trop grave! Contrôle, volé! Mais Wissam, c'est trop! C'est trop! Ok, intéressant, il a Peter Crouch! Oh, c'est passé entre tous mes joueurs. Ah, les deux buts sont évitables. Hein. On va pas se mentir, ils sont très évitables. Par pitié, refais-toi une playlist. La playlist est grotesque. Comme ce penalty. Bien vu, Marcus. Oh là 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 là, ça y va Marcus. Ah oui, ça mais il est très fort hein.
Bien joué ça. Grosse équipe avec Chouagny et CR7. Oh là là, hey, c'était bien joué, hein. Des grandes passes avec des têtes. Et du coup, il quitte. Vraiment, des salopes, hein, il faut le dire. À l'Anneau Rouge. Bien joué, Müller. Magnifique, Wissam. Dommage, putain, j'avais bien taclé. Ah, les 90 de finish, les gars, ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Et du coup, on a le checkpoint en D4, c'est très bien. C'est très très bien. Bonne session, les gars. Très bonne équipe et très bonne session. Du coup, pour les joueurs, les gars, il n'y a aucun défaut. À part le pied gauche de Rashford. J'ai trouvé Benacer incroyable. Il est très très fort. J'ai trouvé Müller très très fort. 10 passes D, 8 buts. À savoir qu'il n'y a qu'un seul un seul match où le mec il l'a quitté à 0-0. Mahrez, en vrai, il fait son taf, même s'il est un peu timide en termes de stats. Exactement ce que j'ai dit ce week-end en Foot Champion. Ce qui me manquait, c'était un vrai finisseur et des vrais passeurs. Et là, j'ai des vrais finisseurs avec Wissam et Müller qui savent finir. Et surtout, j'ai des bons passeurs. Wissam, il est très fort en passe courte. Müller, il est très bon en passe courte aussi. Benacer, 88 en passe courte et 86 en passe longue. J'ai Kimmich, le milieu de terrain. 87 en passe courte et 90 en passe longue. J'ai Mahrez, il se démerde un peu avec 83 en passe courte. Et ça change énormément. Merci de votre soutien. Merci à toutes les personnes qui ont sub, qui ont re-sub, qui ont offert des subs et qui ont évidemment follow la chaîne avec le petit cœur. Merci aussi à ceux qui regardent les vidéos sur YouTube. Et nous, du coup, on s'attrape plus tard. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée et à plus tard. Ciao, ciao les mecs.